Dernier combat et le cinquième élément, Terre balbutiante et Space Opera, donc de l'humain au plus humain, ou la science-fiction de Luc Besson. Donc de prime abord, Luc Besson part d'une vision assez personnelle du monde dans le dernier combat, pour se diriger vers une vision plus américanisante et grand public dans le cinquième élément. Dans le dernier combat, il propose une vision en noir et blanc d'un monde masculin post-apocalyptique dans lequel tout est minimaliste, les moyens, les paroles, les êtres, leurs relations, les sentiments. Pourtant, il ressort de ce film tout à la fois un grand désespoir et une grande beauté qui proviennent des êtres humains eux-mêmes dans leur fragilité et leurs sentiments. 14 ans plus tard, le cinquième élément nous plonge dans un monde où tout est gigantesque et criant. Le récit aussi, entre la Terre et l'espace, la technologie est bouillonnante, les effets spéciaux sont spectaculaires, les couleurs sont vives, les bruits permanents, et la voix humaine magnifiée. Dans ce chaos pré-apocalyptique, chatoyant, l'espoir ne naît plus de l'humain, mais du plus humain. L'analyse de ces deux œuvres va nous permettre de voir que de nombreuses références au cinéma et à la bande dessinée qui les parcourent ont permis à Luc Besson de donner vie à un cinéma de science-fiction français qui, sans doute parce qu'il est populaire, au sens de culture populaire et divertissant, a essuyé des critiques acerbes. Pourtant, si visuellement un monde sépare le dernier combat du cinquième élément, les questionnements et la vision du monde proposée dans ces deux films se font écho. Alors pour des raisons de durée de communication, je vais passer directement en fait à la seconde partie qui concerne l'univers particulier de Luc Besson. Donc le religieux. Donc parler de religieux en étudiant le dernier combat peut paraître étrange, tant le film ne semble pas poser ce genre de questions. Mais c'est bien là l'intérêt. Ce que nous ne voyons pas dans ce film, c'est une croyance quelconque. Il n'y a ni croyance en une déité qui pourrait tout changer, ni recherche d'une explication divine à ce qui a pu se produire, ni espoir en un avenir meilleur. Le film colle à la terre. Malgré les tentatives de son personnage principal pour s'élever dans les airs, il finit par s'écraser ou se poser, ce pour trouver des moments fugaces d'espoir. Et c'est dans cette réalité que se trouve la continuité entre les deux films. Dans le cinquième élément, il est sans doute question de déité, de force divine qui sauverait l'humanité, mais très vite cette notion est repoussée pour nous amener vers le concret. En effet, le récit montre que ceux perçus comme des dieux par les terriens ne sont que des espèces plus évoluées technologiquement et peut-être socialement. Si la théorie de l'origine extraterrestre de divinité est une idée ancienne en science-fiction, la théorie des anciens astronautes, il me semble qu'elle est ici utilisée afin de montrer en quoi le salut vient non de l'espace, mais bien de l'homme. En effet, dès le départ, il est posé que les divinités n'en sont pas, que ces êtres, les Mondo-Shawans, sont mortels et qu'ils ne sont pas tout-puissants. L'un est emprisonné dans une pyramide, le vaisseau des autres est détruit et ils sont incapables de se défendre. Les entités positives et négatives qui viennent de l'espace ne sont que la métaphore des pulsions qui se trouvent sur Terre. Quand l'une des deux fait pencher la balance de son côté, alors le résultat peut être celui du dernier combat. Ceci se vérifie à plusieurs niveaux à travers les deux films. Les pulsions de destruction et de domination, sans autre but, sont la finalité de la brute, le personnage interprété par Jean Reno dans le dernier combat, et la planète symbolisant le mal absolu dans le cinquième élément. À l'opposé, le seul but de l'homme, le personnage joué par Pierre Jolivet, et de Corben, joué par Bruce Willis, est de survivre dans les meilleures conditions possibles en essayant de s'adapter à un monde hostile. D'autre part, les personnages de Vito Cornelius, dans le cinquième élément, et du docteur, le personnage joué par Jean Bouise, se répondent dans leur volonté de sauvegarder, au point de l'enfermer, l'élément vital à la survie du monde. Et les personnages du capitaine, joué par Fritz Wepper, et de Zorg, dans celle d'exploiter les autres pour leur propre bénéfice. Dans les deux films, le changement ne vient pas d'en haut, mais bien des personnages eux-mêmes. La position du spectateur lui permet de prendre du recul par rapport au mysticisme et à la croyance. Le bien comme le mal sont les deux tendances de l'homme poussées à leur absolu et qui peuvent se retrouver sous diverses formes. Au final, le sort de l'humanité est entre ses propres mains. Deux forces sont à l'œuvre dans l'humain, les pulsions de vie, Eros, les Mondo-Shawans et le docteur, et de l'autre, les pulsions de mort, Thanatos, la brute, la planète du mal. Entre les deux, des humains qui luttent plus ou moins bien contre ces tendances. Ainsi, l'homme et Corben ont déjà tué, mais par nécessité, et ils luttent contre leurs tendances destructrices. Ce sont ces personnages qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre en fonction des choix qu'ils font.
L'utilisation faite de la technologie reflète aussi ses pulsions. Ainsi, les Mondoshawans ont une technologie très développée, mais ils l'utilisent afin de protéger la vie. Ils ne sont pas agressifs et ne tuent pas, même pour se défendre. De l'autre côté, la mort se nourrit des pulsions destructrices, ce que montre la planète qui grossit chaque fois qu'on l'attaque. Elle se nourrit de la haine et de la violence, du président et des militaires qui, sous prétexte de protéger la vie de millions d'humains, agressent et cherchent à détruire l'autre et sont sourds aux appels de Vito Cornelius. Cornelius et le docteur ne cherchent pas à détruire le mal, la planète, la brute, seulement à s'en protéger en sauvegardant la vie. Le sens même du terme est différent. Pour Vito Cornelius, toute vie est équivalente et la protéger ne signifie pas tuer l'autre. Pour le président, seule la vie de certains est importante et les protéger signifie tuer ceux qui cherchent à lui nuire. Toutefois, les deux films montrent que se laisser aller à ses pulsions agressives, c'est nourrir la haine qui elle-même se nourrit de la haine. Laisser libre cours à ses plus bas instincts mène à la violence, qui elle-même engendre la violence, et est à l'opposé de ce que devrait être la sauvegarde de la vie, fondée sur l'évitement et l'entraide. Le docteur sait que la brute cherche à le tuer, mais il essaye de se préserver sans l'agresser. Il ne fait que l'éviter. L'homme va apprendre au contact du docteur, et s'il tue la brute, par vengeance et haine, il apprend aussi à partager et à aider. Ainsi, il tue le chef du gang des voitures pour délivrer le chercheur d'eau, qui, à son tour, lui offrira son aide. Il n'est pas anodin que l'homme apparaisse à la fin du film comme le preux chevalier tout de blanc vêtu qui abat le mauvais seigneur et est récompensé par la princesse. Il s'agit bien d'un conte. La morale est celle que le bonheur et la survie dépendent des autres. La conclusion des films vient de cette volonté non pas de s'opposer à l'autre, mais de se recentrer sur l'essentiel, à savoir la vie, et ce, à une échelle humaine et à un niveau personnel. Ainsi s'explique aussi pourquoi c'est la Terre qui fournit la matière indispensable à la survie. Ce, dans ce lieu symbolique qu'est le désert. Paysage post-apocalyptique désertique dans Le Dernier Combat, pyramide dans le désert dans Le Cinquième Élément. Le sable et le désert éloignent des artifices et permettent un retour à ce qui est essentiel à la vie, d'où l'importance dans les deux films des quatre éléments fondamentaux que sont l'air, qui permet à l'homme de se déplacer à bord de son ULM, et le souffle qui permet à une des pierres de s'ouvrir dans la pyramide. L'eau, pour lesquelles les hommes se battent et vont dans les profondeurs dans Le Dernier Combat, et sueur dans Le Cinquième Élément. Le feu, pour cuire les aliments et se chauffer dans Le Dernier Combat, et l'allumette dans Le Cinquième Élément. Et enfin la terre, terre ferme dans Le Dernier Combat, où les hommes n'ont plus accès à la technologie et doivent faire avec leur environnement, et sable dans Le Cinquième Élément. Ces éléments sont présents chez Besson à plusieurs niveaux. Ainsi, Le Dernier Combat est une lutte pour échapper à l'engloutissement par la terre, bâtiment enseveli, et à son dérèglement climatologique. Il pleut des poissons morts ou des pierres. L'eau est une denrée rare qu'il faut aller chercher dans les profondeurs de la terre ou que le ciel fournit de manière aléatoire. Et la guerre du feu refait son apparition. Il est soit outil de civilisation pour manger des aliments cuits, soit outil de destruction pour brûler une bâtisse. L'air, enfin, est ce qui permet de respirer, mais aussi de se déplacer et de ne plus être attaché au sol. Le cinquième élément dépeindrait ce qui est antérieur au dernier combat. L'air, l'eau, la terre et le feu allant de soi. Les hommes ont même fini par oublier la terre qu'ils ne voient plus, tant ils sont hauts dans les cieux. Et seul le retour à la terre des ancêtres les ramène vers ce qui est leur mère nourricière. L'eau est gaspillée, la douche non volontaire que prend Lilou et qui la frigorifie. Le feu sert à détruire les nombreuses explosions. Et l'air est rempli de véhicules en tout genre et de bâtiments. Cette forte présence de la nature et la nécessité de lui redonner un sens plaident pour une interprétation humaniste de ces films. Si la philosophie religieuse du père Vito Cornelius n'est pas centrale en elle-même, et si l'amour au sens général n'a pas de sens, puisqu'il peut ne conduire à rien, c'est parce qu'il n'y a pas de message religieux. En fait, la religion et l'amour ne sont salvateurs que si leur but est d'aimer la vie et de la protéger. Et s'il y a un principe supérieur dans les films de Luc Besson, ce serait celui de la nature et de la vie. En effet, ce n'est pas la foi qui sauve la planète dans Le Cinquième Élément, ni la société dans Le Dernier Combat, ce sont ceux qui protègent la vie et la créent. Le laboratoire qui redonne vie à Lilou et Corben qui fait attention à elle, et le docteur qui soigne l'homme qui l'accueille chez lui, dans la clinique d'accouchement. C'est la raison pour laquelle, et contrairement à certaines interprétations, les personnages féminins de ces films, Lilou, la femme dans Le Dernier Combat, ne sont pas limités à être des stéréotypes. Dans Le Cinquième Élément, Lilou n'a pas besoin de Corben pour se battre, mais elle a besoin de voir que l'être humain veut protéger la vie et la respecte.
Dans Le Dernier Combat, l'homme passe d'une poupée gonflable à une vraie femme, mais entre-temps, il aura été éduqué par le docteur. C'est l'apprentissage du respect de l'autre et de la vie qui lui a été offert. L'union du personnage masculin et féminin, à la fin des deux films, symbolise la réconciliation de l'être humain avec lui-même et son éducation à la vie qu'il a appris à aimer et à respecter. D'où la joie et le soulagement qui se lisent sur le visage de l'homme quand il voit la jeune femme. Si la femme est porteuse d'espoir, c'est que biologiquement, elle est celle qui garantit la survie de l'espèce, mais pour cela, il faut le respect de l'autre. Voilà pourquoi les quatre éléments sont dans le corps de la diva, donc de la femme, et c'est Corben, à savoir l'homme, qui vient les prendre. Il y a engendrement et transmission. Mais il y a aussi un lien profond entre la nature et l'être vivant. L'un est indissociable de l'autre, ils se protègent mutuellement. La femme est donc l'élément de survie, car elle donne naissance. Mais en tant que telle, elle est aussi symbole de fragilité. Et parce qu'elle est à la base de la société, naissance de la famille et de la civilisation, les manières dont font preuve le docteur et l'homme à son égard, elle est objet de lutte et ou d'asservissement. Mais que ce soit dans Le Dernier Combat ou dans Le Cinquième Élément, la conclusion est qu'il faut se recentrer et se concentrer sur la préservation de la vie, de toutes les vies. C'est en commençant par soi-même que le monde peut s'améliorer. Vouloir protéger et non agresser contribue au bien-être de tous, puisque la société peut ainsi se former, grâce à l'entraide, et survivre. Le docteur et l'homme reconstruisent une cellule sociétale, voire familiale. Lorsque Vito Cornelius, dans Le Cinquième Élément, en décrivant la planète, parle de la plus terrible intelligence que l'on puisse imaginer, c'est bien de l'intelligence humaine dont il parle. Il n'y a pas pire prédateur que l'être humain, non seulement pour les autres espèces, mais aussi pour la sienne, ce au point de détruire sa propre planète, comme le montre Le Dernier Combat et son monde post-apocalyptique, image de ce qu'il serait si Lilou n'avait pas sauvé le monde. La vie peut se protéger, comme la nature, d'une façon limitée. La vie sait en partie se défendre par la reproduction. Dans Le Cinquième Élément, seules quelques cellules sont nécessaires pour redonner vie à Lilou, dans le régénérateur. Elle peut donc naître très facilement si elle est protégée, à l'abri des regards, comme dans la clinique du docteur. Cependant, il est aussi notable que dans aucun des deux films, il n'y ait des enfants. Ce sont bien au commencement deux films sans espoir pour l'espèce et pour la vie. C'est l'élément féminin qui apporte l'espèce, c'est l'élément féminin qui apporte l'espoir, mais à travers lui, c'est la vie qui se fraye un chemin. Il n'est pas surprenant que Le Cinquième Élément, que l'être suprême soit une femme, car sans la science, seule la femme tient entre ses mains la survie de l'espèce, et cela n'a rien à voir avec la croyance, ni même avec l'amour. La vie se trouve dans l'instinct de survie de l'espèce et dans l'instinct de préservation, et donne naissance à la société. Il ne s'agit pas d'une question de civilisation au sens large, mais à échelle humaine, au niveau de l'individu. La vie peut aussi être détruite sans espoir de retour, ce que symbolise la femme sauvagement mutilée et assassinée par la brute dans Le Dernier Combat, ou lorsque la cantatrice meurt et que Lilou est sur le point de mourir de fatigue dans Le Cinquième Élément. La vie peut être épuisée. Le Dernier Combat est celui pour Le Cinquième Élément, la vie faite femme, d'où la continuité entre les deux films. La brute appelle la mort, et en tuant la femme, il se tue lui-même, alors que l'homme décide de donner une chance à la vie, comme le fait Corben avec Lilou. C'est parce que Corben et l'homme prennent soin de la vie qu'elle les récompense en retour et qu'il y a espoir d'avenir. Que ce soit dans Le Dernier Combat ou Le Cinquième Élément, la survie dépend de l'entraide, qui est un facteur d'évolution. Elle préserve la vie, elle les partage et échange, et tisse ainsi un réseau d'obligations qui vont donner naissance à la société. À l'opposé de la loi du plus fort, Luc Besson propose l'entraide et la sociabilité comme facteur d'évolution et de survie, reprenant ainsi les propos de penseurs et philosophes tels que Pierre Kropotkin ou Lewis Thomas, qui dit « L'altruisme est peut-être notre attribut le plus primitif, désormais hors d'atteinte, échappant à tout contrôle. Ou peut-être est-il directement à portée de la main, prêt à être déclenché, déguisé dans nos civilisations modernes, en affection, en amitié, en attachement. Je ne vois rien de déraisonnable à soutenir que des chaînes d'ADN enroulées sur elles-mêmes dans nos chromosomes codent l'instinct qui nous pousse à nous rendre utiles. Le besoin de se rendre utile pourrait bien se révéler le trait le plus déterminant de l'aptitude à la survie, plus important que l'agression, plus efficace à long terme que l'instinct d'appropriation. » Donc même s'il garde un certain reliquat de vie civilisée, agrémenter son lieu de vie, le plaisir de la décoration, de la représentation picturale, de la table, c'est au contact du docteur que l'homme réapprend la notion de vie en société. Prendre le temps de vivre ensemble, faire des choses ensemble, se protéger l'un l'autre. Cette aptitude s'oppose à celle de ceux qui exploitent les autres à leur propre fin. Le clan de la voiture dans Le Dernier Combat, Zorg dans Le Cinquième Élément. Cette différence se retrouve dans la volonté de pouvoir communiquer, ou plus précisément, de pouvoir s'exprimer oralement par la parole.
Dans le dernier combat, le docteur et l'homme utilisent un gaz, probablement de l'hélium, pour permettre à leur corde vocale d'émettre des sons qui se transforment en mots. La clinique où se trouve le docteur est aussi une clinique ORL. Il y a volonté de pouvoir enfin dialoguer, et s'il n'y a qu'une tentative, elle montre ce désir de créer un lien, de comprendre et d'apprécier l'autre, de l'écouter. Le même principe est en œuvre lorsque seul Cornelius comprend Lilou. Seul le prêtre parvient à la comprendre, car il a appris son langage. Mais c'est aussi le seul qui ne soit pas intéressé par son genre, mais par qui elle est, la salvatrice. Certaines critiques y ont vu l'image stéréotype et traditionnelle de la femme comme réceptacle de la vie. Certes, ce film reprend certains stéréotypes, mais ce de manière humoristique, et dans ce cas-là, afin de montrer la difficulté qu'ont les êtres à communiquer, à se comprendre. Dans le cinquième élément, les êtres humains sont tout aussi vides de sens que leur langage. Les exemples types étant la mère de Corben, dont vous voyez les propos là, et Ruby Rhodes, dont les propos reflètent l'égoïsme, le manque d'intérêt pour les autres et l'absence de véritable dialogue au sein d'une société qui se désagrège. Pourtant, Corben va commencer à aider Lilou lorsque celle-ci va faire appel à son altruisme et à sa compassion en prononçant les mots « please help ». De même, si Lilou apprend l'histoire, elle apprend aussi la langue afin de communiquer avec Corben. C'est parce qu'il prend soin d'elle qu'elle cherche à lui expliquer qui elle est. Le début de la salvation est dans le langage. Ainsi, et pour retourner le stéréotype, le langage permet à Lilou d'expliquer que Corben n'est pas le héros qui sauve le monde, c'est son rôle à elle. Il apparaît ainsi qu'aucun genre n'est privilégié. En effet, aux personnages masculins que sont Corben et le prêtre, répondent deux personnages féminins que sont Lilou et la cantatrice. À ce monde, plein de bruit et de fureur, répond la voix de la cantatrice dans une séquence où sont montrées en parallèle la scène de combat entre Lilou et les Mangalores et la diva qui chante, l'une répondant à l'autre. La voix de la diva est en osmose avec Lilou et le combat. Le rythme de la musique, les notes et les fréquences vocales racontent l'histoire et transmettent les émotions qui se lisent sur les visages de Corben, de la cantatrice et de Lilou. La vie se répand comme les airs de la diva, dont la voix extraordinaire au milieu du Capharnaüm parvient à faire taire Ruby Rhodes pour un moment irréel hors du monde. La pureté cristalline de la voix tranche avec les sons discordants et agressifs de Ruby Rhodes retransmis par la radio. Ce sont deux modes de vie qui s'opposent. D'une part, la recherche du son juste, la volonté de partager des émotions, de toucher ce qu'il y a au plus profond de l'être humain et d'entrer en communication, voire en osmose avec les autres. D'autre part, la volonté égoïste et stérile de s'écouter parler et d'empêcher tout dialogue. Le dialogue est preuve de sociabilité et la vie est transmise par le verbe, le cri de l'enfant qui naît. Et c'est lorsque Corben accepte de prononcer des paroles qui font sens que la vie l'emporte. Ce n'est pas tant le « je t'aime » qui est important que le fait qu'il puisse s'exprimer par le langage des émotions et montrer ainsi à Lilou qu'il y a encore de la place pour la vie sur la Terre. Pourtant, il s'agit là d'un outil à double tranchant. L'art, à travers la musique et l'utilisation de la voix humaine, montre l'humain dans ce qu'il a de plus beau. Mais cela n'est vrai que lorsqu'il y a désir de partager. L'art et la civilisation ne peuvent résister à la férocité. Ce que la civilisation a créé, ce que l'homme a créé, il peut le détruire tout aussi facilement. Ainsi, la brute avec la bande magnétique musicale laissée par l'homme qui casse. Le dernier combat peut être vu comme le résultat d'une société qui a perdu l'usage de la parole, car le langage ne faisait plus sens. Ceci explique pourquoi les personnages réapprennent à parler seulement lorsqu'ils entrent dans un véritable rapport d'entraide et de sociabilité et qu'ils comprennent ce qui est essentiel. Cette interprétation semble être soutenue par le cinquième élément dans lequel le personnage de Ruby Rhodes, star des médias, est un personnage insupportable qui ne cesse de parler pour ne rien dire. C'est le trop-plein de paroles du cinquième élément qui a inondé le monde du dernier combat et l'a réduit au silence. Mais il est possible de communiquer sans la langue, ce que montre aussi le dernier combat dans lequel le docteur et l'homme parviennent à créer un semblant de société sans la langue qui apparaît cependant comme la prochaine étape. Ainsi, la culture et l'art permettent d'échanger et de transmettre des émotions et des sentiments. L'opéra a ce rôle dans le cinquième élément et lui répand la peinture, particulièrement rupestre, dans le dernier combat. Ainsi, Besson commence par les prémices de l'art et en arrive à son aspect le plus policé. Dans le dernier combat, la première peinture est la reproduction d'un Bruegel, la danse des paysans, que l'homme trouve dans l'hôtel où il a élu domicile et qu'il ira rechercher par la suite pour le docteur. Son goût pour la musique et pour la peinture, donc pour l'art, le sépare de la brute et vont le rapprocher du docteur, qui lui peint des peintures rupestres. Celle-ci raconte une histoire qui ne peut se transmettre oralement puisqu'il n'y a plus de paroles, et elle communique aussi des émotions et des besoins. Ces scènes imaginaires sont une référence à l'art rupestre. Toutefois, elles évoquent aussi le besoin de trouver de la nourriture,
car la seule présente dans le film sont des poissons morts qui tombent du ciel et des boîtes de conserve, vestiges d'un passé disparu. Le docteur, par la peinture, tout à la fois réinvente une histoire, mais y mêle aussi des éléments réalistes. Le chasseur, pour lequel l'homme prend la pose, et la femme, qui ressemble à celle que le docteur retient dans la clinique. La culture, symbole de la société, est fragile face à la férocité, comme le montre la brute qui en fait disparaître toute trace. Le feu s'éteint, la bande se casse, la peinture lui est dérobée, la bouteille de vin se casse sous le coup de sabre. Toutefois, il faut aussi noter que la société peut aussi créer des coutumes et des objets qui asservissent et emprisonnent l'individu. Dans Le Dernier Combat, le symbole le plus évident en est la voiture, qui représente tout à la fois un lieu et un mode de vie lié à la puissance. Celui qui est dans la voiture est le mal dominant. L'enfermement, le chercheur d'eau enfermé dans le coffre, et à la stagnation. En effet, celle qui fut moyen de se déplacer, symbole de liberté, représente la stagnation et la mort puisqu'elle a perdu sa fonction première. Elle est immobile et immobilisée par manque de carburant. Mais alors même qu'elle ne fonctionne plus comme outil, sa symbolique demeure puissante. Il est impossible de s'en séparer tant elle est ancrée dans nos mœurs et confère un statut particulier, celui de toute puissance masculine. Les doigts coupés comme autant de trophées. C'est ce qu'il a autour du cou. Et technologique, le capitaine est aussi celui qui peut savoir si l'eau est potable ou non. Alors que le ciel soit rempli de voitures volantes et que le taxi soit l'outil de travail de Corben dans Le Cinquième Élément n'a rien de surprenant. Ce film montre lui aussi combien la société s'est attachée à des objets qui nous enchaînent. Alors, si Le Dernier Combat laisse envisager un avenir possible, il ne promet rien. Si le film commence avec une poupée gonflable et une vie solitaire et se termine avec une femme, il est grandement incertain. Le sable est toujours présent et la survie dépend des restes de civilisation. Dans Le Cinquième Élément, la fin est aussi incertaine. Elle offre une vie à deux, un répit peut-être, mais dans un univers toujours aussi vide de sens. La mère au téléphone est donc un univers toujours aussi contrôlé, l'armée et le président qui n'ont pas tiré les leçons. Ainsi peut se concevoir pourquoi Le Dernier Combat ne mentionne ni date ni localisation géographique précise. Il est hors du temps dans un hors-lieu. Le ciel n'apporte pas de réponse ni d'espoir tant il est incertain. Il tombe des poissons ou des pierres. Dans Le Cinquième Élément, l'espoir semble venir de l'espace, mais tout commence et se termine dans une pyramide égyptienne, et le salut est apporté par un couple d'individus. L'espoir ne vient pas de l'ailleurs, mais de l'intérieur. Ce n'est pas vers le haut ni vers l'ailleurs qu'il faut se tourner. L'ULM et les vaisseaux emmènent ailleurs, mais les personnages finissent par revenir vers la terre ferme et vers le sable, vers le point de départ, vers l'origine de la vie. Après tout, ce sont les éléments fondamentaux propres à une cosmogonie terrestre qui sont au cœur des films, mais vers le ici et maintenant. L'espoir ne vient pas d'autres êtres, ni de l'ailleurs, mais de la terre et de l'individu. La notion de plus qu'humain n'a pas lieu d'être. Dans les deux films de Luc Besson, le plus qu'humain serait l'individu qui se libère en partie de ses pulsions de mort et de domination pour être avec l'autre plutôt que contre l'autre, pour s'entraider. C'est bien la sociabilité, l'entraide des individus qui dépendent les uns des autres et de la nature qui sont au cœur de ces films. Alors il n'est plus question du plus qu'humain, mais de plus humain.